Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation des créations que j'ai présentées à l'occasion du NSD. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fête nationale du scrapbooking. C'est en général début mai. Donc là, c'est tombé le 4 mai cette année, si je ne me trompe pas. Et donc là, j'ai joué avec Graffiti Girl. Je vous mettrai le lien de la boutique et de la chaîne YouTube en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, je vais vous présenter les trucs un peu dans le désordre parce que je ne me rappelle plus trop de l'ordre à vrai dire. Donc, je vais vous présenter d'abord la page donc, où il fallait respecter un sketch. Et ben voilà, moi j'avais envie de couleurs et aussi par rapport à la dernière collection qu'ils ont sortie, je crois que ça s'appelle Sérénité Astrale. Donc, je trouve les magnifiques, le combo couleur, le thème et tout ça. Et voilà, bah, j'avais envie un peu de rester là-dedans. Et bah, ça faisait très longtemps aussi que j'avais pas fait une page. Alors, mis à part la page que je vous avais montrée à l'occasion des 20 ans de la fête du scrap, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la visionner, où j'avais fait une page et ça fait un moment que j'en avais pas refait. Donc, pour le fond, j'ai utilisé mes brouchots. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je pourrais vous présenter le produit, vous faire une petite démo en vidéo, mais là c'est vrai que c'est un produit qui date un peu et enfin, dans ma tête tout le monde connaissait. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire de tuto vidéo pour ces créations là, mais si, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Donc j'ai commencé par faire le fond donc de ma page. Donc j'avais fait au préalable au crayon de papier un cercle pour à peu près délimiter la zone que je voulais coloriser et puis la place de mes photos à peu près. Donc voilà, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc je suis désolée, ça risque de briller un petit peu, mais il ne fait pas si jour que ça aujourd'hui et on n'y voit pas très clair. Les papiers de fond, c'est issu de la collection Mise au point. C'est une collection 30-30 qui est sortie il y a très longtemps mais que j'adore et il me reste encore des petites chutes. Donc voilà, qui est assez passe-partout puisqu'elle est noir et blanc. Donc vous voyez que ça peut se marier même avec quelque chose de très coloré. Pour les petits cœurs... oui, je crois que c'est tout. Pour les petits cœurs, c'était issu d'une planche de tampon. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas si ça s'appelle pas texture. Ensuite, donc les petites fleurs, c'est issu d'une planche de die cut, donc issu de la collection Sur Tension, une collection que j'ai beaucoup aussi aimée. Les petits feuillages, ce sont des die cut. Alors, je me rappelle plus. Je ne sais pas si celui-ci, c'est pas au féminin, mais celui-ci, je ne pourrais pas vous dire. Là, c'est aussi issu d'une autre planche de tampon. Je ne me rappelle plus le nom de la planche. Et là, ce sont des die-cut mots que vous retrouvez. Tout ça, vous retrouvez sur la boutique. Et c'est thème positivité, il me semble. Ensuite, donc là, on retrouve le même type de feuillage. Ça, c'est... je crois que c'est issu aussi de mise au point, je me rappelle plus. Et ça, c'est une autre planche de die cut. Non, bah, je pourrais pas vous dire, je l'ai pas là en plus et j'ai commencé à tous les découper. Donc je pourrais pas vous renseigner davantage. Et au niveau du trait, j'ai tout simplement fait au crayon de papier et après je suis venue repasser au stylo tout simplement. Donc voilà, quoi vous dire d'autre. Donc en finition, j'ai fait tout un tour au stylo. Et ça m'a permis aussi à certains endroits de noter un peu du journaling. Donc je trouve que c'est assez discret. Voilà, donc j'ai mis la date et le lieu. Donc voilà pour ce qui est de la page. Ensuite, donc on avait le choix de faire soit une memory card, soit une ATC. Et moi c'est vrai que les ATC, j'ai l'habitude de ne pas en faire qu'une à la fois, j'ai souvent l'habitude d'en faire trois. D'autant plus que j'avais plein d'idées avec les superbes motifs de chez Graffiti. Donc là, il fallait rester dans un combo noir et blanc.
Donc je vais vous montrer, je vais commencer par celle-ci parce que c'est celle-ci la première que j'avais faite. Donc j'ai utilisé un pochoir chevron. Là c'est un tampon, je ne me rappelle plus de quelle collection, de quelle planche de tampon, je ne saurais pas vous dire. Ça c'est les rigolos, je crois, le nom de la planche. Derrière la texture, ça c'est une autre planche de tampon. Et la découverte du monde, c'est issu d'une planche sur l'enfance. Donc voilà, et là aussi, les petits chevrons, c'est issu du même pochoir. Simplement, ceux-là, je les ai faits en gris. Donc j'ai utilisé pour ça les Distress Oxide. Et celui-là, je l'ai fait en noir. Alors, par contre, j'ai pas trop insisté sur le noir. Et du coup, on voit un peu comme de la transparence. Donc j'aurais aimé que ça soit un peu plus foncé, mais au final, j'aime bien ce côté transparence. Donc voilà, au niveau de la colorisation du petit robot, je l'ai fait aux encres à alcool. Donc moi je maîtrise pas trop les dégradés, les jeux d'ombre. Mais bon voilà, je l'ai trouvé mignon. Je l'aime bien comme ça, mon petit robot. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Donc j'ai fait la tessée un peu plus sur le thème de la photo. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai tamponné. Donc j'ai fait d'abord mon fond de dégradé avec mes Distress. Et mes petites, hop, voilà, que j'avais eues à Noël. Donc je vous invite aussi à aller voir. C'est ma soeur qui m'avait offert les petites brosses. Elles sont vraiment top. Non, pour le petit aparté. Et donc j'ai tamponné à la Oxide. C'est Icori Smoke, je crois. En gris. Donc du coup, on voit vraiment en fond, c'est assez discret, on distingue pas trop les écritures, mais je trouve, bon, mis à part celui-là qu'on voit très nettement en photo, mais j'aime bien. Flash info, je crois que c'est le tampon où vous avez l'appareil photo, il me semble. Donc là, on a les petites pellicules. Et voilà, j'ai rajouté donc ces deux tampons. Donc pellicule de bonheur avec les deux étiquettes, c'est un seul tampon. Et celui-ci, je suis venue le chercher d'une autre planche et de le rajouter par-dessus. Voilà. Et enfin, la petite dernière ATC. Donc là, pareil, j'ai fait un fond dégradé. J'ai fait d'abord en gris et après je suis venue insister au niveau du noir. C'est pareil, ça, si ça vous intéresse de voir comment je fais mes fonds dégradés comme ça à la Distress, ça sera avec grand plaisir que je vous montrerai. N'hésitez pas à me le noter en commentaire. Donc là, pareil, pour les petits pois, je suis venue le tamponner directement à la Distress. Pour le reste, tout ce qui est en tamponnage noir un peu plus précis, c'est avec la Versafine. Et pareil, la petite grenouille, je l'ai colorisé aux encres à alcool. Alors, j'avais envie, je vais vous le montrer parce que je l'ai pas très loin. J'avais envie en fait de le coloriser au néocolore, mais en fait c'était tellement moche que je suis revenue sur mes pas. Regardez-moi cette horreur. C'est pourtant que j'ai utilisé du papier aquarelle, mais ça a pas du tout colorisé comme je le voulais. Enfin voilà. Donc si on met, oups, les deux côte à côte, il est clair que je préfère nettement la colorisation aux encres à alcool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, la colorisation en néocolore, c'était un vrai flop. Et enfin, alors celui-ci, franchement, je l'adore. Je me suis vraiment éclatée à faire ce tag. Donc la dimension du tag était imposée. Donc je suis partie sur du papier aquarelle du 300 grammes. Pour travailler là-dessus parce que je savais que je voulais travailler avec mes brochots. Je voulais qu'il y ait une certaine cohérence en fait avec mon autre page. Et puis comme en ce moment j'ai envie de couleurs dans tous les sens. Voilà. Donc je suis partie sur ces brochots. Et en fait ce qui m'a inspirée c'est l'ampoule donc die-cut qu'on retrouve sur la même planche de die-cut avec les fleurs là de surtension. Et en fait, j'adorais le côté explosion de couleurs. Donc, ce que j'ai voulu faire ici, c'est donc avec mes tamponnages, comment dire, comme si ça faisait la prolongation des couleurs de l'ampoule. Donc, j'ai essayé, tant bien que mal, parce que j'ai pas énormément de choix en termes de couleurs aux encres à alcool, mais je voulais quand même que ça se rapproche un peu et que ça puisse vraiment faire une, voilà,
que ça puisse s'étendre au-delà tout en gardant une certaine cohérence au niveau des couleurs. Le fond, j'avais essayé aussi un petit peu de garder cette même, ces mêmes coloris, mais les brochots, c'est assez difficile à gérer, surtout si vous mettez beaucoup d'eau, et là je voulais vraiment quelque chose d'assez flou. Sinon, concernant le fond, donc j'ai utilisé, vous voyez, en fond, c'est un pochoir, je crois que je dois l'avoir juste à côté de moi. Et là, je vais pouvoir vous le montrer, c'est celui-ci, il s'appelle Boussole. Et ben voilà, ça fait quelques temps que je l'avais et j'avais vraiment envie de jouer avec. Et il est vraiment très très beau au niveau des détails, vous verrez que c'est très... Enfin, c'est très visible, quoi. Il se nettoie aussi très facilement, je tiens à le préciser, parce que quand on a des détails comme ça, des fois, ça se nettoie pas bien, mais là, c'est pas du tout le cas. Donc là, au niveau donc du défi, il fallait mettre en épaisseur. Alors, je sais pas si j'arriverai bien à vous montrer, mais il y a plusieurs épaisseurs de mousse. Voilà, la mise au point se fait. Donc, par moment... Alors je sais pas, peut-être que comme ça j'arriverais mieux à vous le montrer, je sais pas. Enfin vous voyez qu'il y a quand même de l'épaisseur. J'ai essayé de mettre des mousses partout et à certains endroits c'est un petit peu plus haut forcément. Pour les petits mots, ça c'est pareil, c'est issu de la planche de mots positivité. Et ici c'est l'alphabet, je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est Anonymous qui s'appelle. Je l'adore cet alphabet, il est super. Puis là, c'est très facile, vous pouvez faire, vous préparer des lettres à l'avance en différentes couleurs de Versafine ou de Distress Oxide. Et vous avez un alphabet qui est très facile aussi à découper, puisque vous le découpez en carré ou en rectangle. Puis voilà, ça se colle très facilement. Enfin, voilà, j'adore ça. Et pour ici, j'ai utilisé tout simplement une petite chute de ficelles un peu twin. Je crois que c'était des ficelles que j'avais récupérées sur un vêtement que j'avais acheté il y a quelques années. Comme quoi, il ne faut rien jeter, hein, tout se récupère. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment adoré... patouiller en graffiti. Et vu que je tourne la vidéo après les résultats, je vais pouvoir vous annoncer que je suis la gagnante qui a été tirée au sort. Donc je suis vraiment très très heureuse. Vous doutez bien que j'ai déjà passé ma commande et donc là on est le 20, je sais plus, le 22 ou 23 mai, je sais plus, et donc normalement je devrais recevoir ma commande demain. Donc je suis vraiment très très contente et bien sûr je suis très pressée de la recevoir pour pouvoir jouer avec, mais vous aurez une vidéo quoi qu'il en soit de présentation des produits, de mes nouveaux produits graffiti. Voilà, j'ai vraiment hâte. J'ai pris donc bien entendu des tampons, j'ai pris des pochoirs parce qu'en plus le week-end où j'ai passé la commande il y avait une promo sur les pochoirs, donc j'en ai vraiment profité. Et j'ai pris aussi des blocs de papier. Ça faisait longtemps que j'hésitais à chaque fois, je me suis dit ouais mais non, j'ai un petit budget, je vais les papiers je les prendrai une autre fois, je préfère investir dans les tampons. Et c'est vrai que maintenant je vais de plus en plus vers le papier et là je me suis dit bah, c'est l'occasion que je me fasse un peu plaisir. Donc voilà, je suis vraiment vraiment très heureuse. Écoutez, j'attends vos commentaires, savoir un peu ce que vous en avez pensé, savoir si ça vous aurait inspiré aussi, si vous avez participé au défi, ça m'intéresse aussi de savoir si parmi vous il y a des GG addicts. Et en attendant de la prochaine vidéo, je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !